Voilà. Enfin, des droits de l'homme, oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah. Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les cinq qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Nicolas Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission de Grand Débat sur Tempo Afrique. Votre serviteur est Serge Niawa depuis le pays de l'oncle Sam. Je voulais quand même dire merci à tous ceux qui nous ont ovationnés, tous ceux qui nous ont écrit pour encore solliciter un autre thème. Vous savez que les thèmes aujourd'hui que nous débattons, ce sont des thèmes d'actualité. Mais quand vous nous appelez, on est obligé de se pencher sur le thème proposé. Alors, aujourd'hui, nous devions avoir un invité spécial depuis l'Europe. Notre invité n'est pas en ligne, mais nous allons quand même essayer de débattre de ce thème. La réconciliation demandée par Soro Kibafuri Diom, le Premier ministre qui est devenu aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Nous avons vu Soro Diom en France, où il a croisé les Ivoiriens avec M. Niamsi et aussi M. Alain Toussaint pour une réconciliation, croiser un peu les Ivoiriens. Mais en parlant de lui, de cette réconciliation, est-ce que tous les critères sont réunis pour qu'il y ait réconciliation en Côte d'Ivoire? Nous voulons réellement aller à la réconciliation. Mais il y a d'autres critères qui ne sont pas réunis qu'il faut réellement essayer de mettre en vue, résoudre tous les problèmes. Certaines personnes aujourd'hui disent, voilà ce qu'ils disent, les prisonniers politiques pro-Gbagbo meurent en prison dans l'indifférence totale pendant que certains chantent la réconciliation à longueur de journée. Effectivement, aujourd'hui, nous parlons de la réconciliation. Mais la réconciliation en elle-même, quand on parle d'elle, qu'est-ce qu'elle veut dire, la définition de cette réconciliation? Vous vous réconciliez avec quelqu'un avec lequel vous vous êtes battu? Vous vous réconciliez avec quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas d'accord sur certains principes? Et politiquement parlant, nous avons vu la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire au temps du président Laurent Gbagbo, où il y a eu tous les Ivoiriens de tous bords qui ont été convoqués à cette réconciliation. Chacun a dit tout ce qu'il voulait dire, sans faux fuyant. Nous avons vu M. Alassane Ouattara, nous avons vu Robert Guéhi, nous avons vu M. Henri Konan-Bédié, nous avons vu Gbagbo Laurent, nous avons vu Blé Goudé, nous avons vu aussi d'autres acteurs politiques. Vous avez vu que cette réconciliation a eu quand même beaucoup. Les Ivoiriens ont parlé beaucoup de cette réconciliation. Au moment où le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, il a créé ce qu'on appelle CDVR, le Comité de vérité de réconciliation. Où sont donc les résultats? Il y a des milliards qui ont été mis à la disposition de ce comité. Mais où sont donc les résultats? On nous dit aussi que ce comité avait des problèmes d'argent pour continuer cette réconciliation. Mesdames et messieurs, je pense que si vous êtes à côté et que vous voulez participer à cette émission,
Vous pouvez nous appeler au 612-224-2020. 612-224-2020. Alors, pour débattre de ce sujet de la réconciliation qu'a prôné M. Soro Guillaume, j'ai sur ce plateau mes chers panélistes les plus attristés de tous les temps avec lesquels nous arrivons chaque fois à débattre de nos problèmes. L'actualité panafricaine est d'actualité, il faut en parler. Mesdames et messieurs, ensemble, je voulais vous dire encore une fois de plus bonjour. Je vais quand même présenter mes chers panélistes. Ils sont toujours présents, ils sont toujours égayés, ils sont toujours contents, ils sont toujours crânés, ils sont toujours bien habillés. Et c'est là le commun même de cette émission. Bonjour mon cher Kenao. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Je vais mettre en facteur, ils sont tous en facteur pour dire que nous sommes heureux d'être devant ce plateau de Tempo Afrique TV. Surtout pour l'émission Grand Débat. Je ne veux pas trop perdre l'énergie. Je vais conserver mon énergie pour la suite de cette émission. Mais pour l'instant, je salue tous les téléspectateurs et tous les fans de cette émission. À vous tous, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Merci donc, mon cher Yves Kenao. Celui-là même que j'ai nommé Bulldozer. Je pense que avec lui, vous avez vu beaucoup de ses émissions, des émissions dans lesquelles il ne fait que dire la vérité, qu'il soit doux ou pas. Mais c'est un Africain authentique. Bien sûr, vous êtes Africain, nous sommes là pour être des Africains qui sont prêts toujours à donner le meilleur d'eux-mêmes, débattre des problèmes africains quand il s'agit, parce que non seulement nous sommes à la diaspora, mais il est là pour que l'Africain ne dorme plus sur ses oreillers. À côté de mon cher Kenao, Yves, j'ai mon ami personnel, Atiso Kwamevi. Dit l'Africain. Dit l'Africain. On a encore Sam l'Africain en Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui en prison. Donc, si Sam vous dites Dit l'Africain. Donc, Atiso, bienvenue à cette émission d'Ivoire de Grand Débat. Grand Débat. Merci, monsieur Serge Niawa. Merci à tous les fidèles téléspectateurs de Grand Débat et de Tempo Afrique TV. Nous sommes aujourd'hui là encore pour vous étiqueter quelques sujets sur le continent. Merci, Niawa. Merci donc à Tisso, merci donc aussi à Yves Kenao. Merci pour tous ceux qui nous regardent, c'est donc parti pour ce grand débat. Si Kassoum Ouattara est à côté et s'il nous voit, il peut toujours nous joindre pour qu'on puisse continuer, il puisse quand même donner de ses idées. Mais dans un premier temps, nous allons commencer. Je voudrais quand même vous dire encore une fois de plus, mes chers panélistes, bienvenue à cette grande émission de Grand Débat sur Tempo Afrique. Alors, la réconciliation demandée par Soro Guillaume, mon cher Kenao, oui. Quand on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire, et cette réconciliation est demandée par Soro Guillaume, mais pas par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui aujourd'hui devait encore se mettre, sinon essayer d'aller au four mourant pour cette réconciliation, parce que les Ivoiriens ont aujourd'hui besoin de la réconciliation, rien que la réconciliation, même si les chiffres économiques ont une croissance de 9%, 10%, 12%, mais l'Ivoirien aujourd'hui a besoin d'une réconciliation dans tous les cas, M. Kenao. Voilà, Serge Niawa, merci. Vous parlez de réconciliation demandée par Guillaume. Est-ce que le président de la République lui-même, Mon cher Kenao, je pense que vous allez tout à l'heure y répondre. Je crois que
On me fait signe, le technicien me fait signe. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au téléphone, mais le technicien me fait signe. Bon, donc c'est parti. Vous avez encore la parole, Monsieur Kenao. Voilà, je disais tout simplement que la réconciliation dont vous parlez, demandée par Guillaume Soro, je ne sais pas, Guillaume Soro demande cette réconciliation au nom de quoi, et en tant que président de l'Assemblée, il n'est pas l'instance suprême de la nation. Est-ce que l'instance suprême de la nation, quand je dis l'instance suprême, je parle de la présidence de la République. Est-ce que le président de la République, M. Alassane Ouattara, est du même avis que le président de l'Assemblée nationale, qu'est Guillaume Soro? Parce qu'il ne s'agit pas de chercher à avoir certains points politiques. Non, mais je crois il y a d'autres vidéos que nous allons voir tout à l'heure, parce que Soro Guillaume lui-même a signifié qu'il a parlé de la réconciliation et que le président Alassane Ouattara lui aurait quand même emboîté le pas pour dire qu'il est d'accord. Non, ne mélangeons pas. Donc, nous allons voir. Voilà. Les preuves de ce que M. Soro Guillaume a dit. Voilà, parce que allez-y. En tant que connaisseur de la politique africaine, je sais, et de la politique en général, c'est que certaines personnes politiques vont chercher à marquer des points politiques en devançant certains événements. La Côte d'Ivoire a besoin des efforts de tous ses fils et de toutes ses filles pour que cette Côte d'Ivoire que nous tous nous avions connue soit la Côte d'Ivoire du temps de feu, où tout le monde peut circuler librement, où tout le monde peut parler à son frère, à sa soeur ivoirienne sans se poser de soucis, sans demander vous êtes bété ou djoula. Vous comprenez ce que je dis? Mais maintenant, c'est le président de l'Assemblée nationale qui demande la réconciliation. Et nous n'avons pas vu officiellement... Est-ce qu'il y a un problème à cela sur le président? Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Demande la réconciliation. Il y a un sérieux problème. Mais est-ce que vous avez vu une fois le président Alassane Ouattara être devant les Ivoiriens, parler grandement de la réconciliation, comme le faisait à son temps le président Laurent Gbagbo au Four Moulin, pour dire qu'il faudrait que les Ivoiriens se réconcilient? Est-ce que vous avez une fois vu M. Alassane Ouattara, qui est le président, la première personne suprême de la Côte d'Ivoire, a prôné cette idée de réconciliation? Voilà, si un enfant se lève, le président de l'Assemblée nationale se lève pour parler de la réconciliation. Est-ce qu'il y a un problème à cela? Il y a un seul problème, monsieur. Allez-y. Il y a un seul problème. C'est pourquoi je me pose la question, si le président de l'Assemblée nationale ivoirienne ne cherche-t-il pas à marquer des points politiques? N'oubliez pas que c'est un homme, un jeune homme d'ambition, de grandes ambitions politiques. N'oubliez pas. Et en posant ce problème de réconciliation, et si réellement cette réconciliation se faisait, et se faisait dans les normes, il balaye de coups politiquement le président de la République. D'accord. Et c'est ça qui serait un grand danger. C'est pourquoi je me pose la question, est-ce que le président de la République est sur la même longueur d'onde que son président de l'Assemblée? Nous avons vu le président de la République aller croiser Macron, justement, pour débattre d'autres problèmes. Mais nous n'avons pas compris ces histoires de réconciliation, alors que l'Ivoirien aujourd'hui a besoin de la réconciliation. Monsieur Atissot. Merci, monsieur Signawa. Je voulais aborder ce sujet dans le sens contraire que monsieur Yves Kenao, pas tellement dans le sens contraire, mais bon, je vois que dans un pays, n'importe qui
qui, sans la nécessité d'une réconciliation, peut demander la réconciliation. Même un simple citoyen peut demander qu'il y ait réconciliation. Donc aujourd'hui, dans la constitution ivoirienne, Guillaume serait peut-être le troisième homme du pays, puisqu'on a un vice-président maintenant. Donc, peut-être troisième ou quatrième personne, si on compte le premier ministre. Donc, Guillaume Soro, en tant qu'homme d'État, quand il a vu, ou bien quand il voit la nécessité d'une réconciliation entre les Ivoiriens, quand il voit que les tissus ne se soudent pas, et après ce qui s'est passé en 2011, avec l'avènement de l'enlèvement de Laurent Gbagbo, et quand il juge aujourd'hui qu'une réconciliation est nécessaire et qu'il demande une réconciliation, et c'est quelque chose que toute la classe politique ivoirienne doit applaudir. Mais je me demande, depuis 2011, est-ce qu'il n'y avait pas eu de réconciliation? Est-ce qu'il y avait eu des réconciliations, mais exclusives? Et il demande maintenant des réconciliations inclusive, monsieur de tout le monde, ou bien monsieur Attisso. Parce que quand un pays sort de la guerre comme la guerre de la Côte d'Ivoire en 2011, il doit y avoir de réconciliation. Il y a eu le comité de vérité et de réconciliation, voilà, qui a été mis en place par monsieur Alassane Ouattara. C'est le premier ministre Kona Bani qui présidait ce comité. Et voilà, jusqu'à preuve du contraire, les résultats qui sont sortis de ce comité, nous n'avons pas ces résultats. Voilà. C'est donc toujours dans les archives. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les archives que nous avons lues pour ces histoires de comité de vérité de réconciliation, c'est dit là-bas que M. Alassane Ouattara n'avait pas été élu président. Est-ce que ça veut dire que ces histoires parlent de cela, raison pour laquelle on ne veut pas nous donner réellement les résultats? Alors, si ce que vous dites, on va, parce que M. Kona Bani est venu, les résultats sont là. Où sont les résultats pour qu'on puisse les voir? Depuis on n'a 2011, pas ces résultats depuis 2011 jusqu'aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, et c'était à des coups de milliards. Des milliards que ces réconciliations ont été lieu. Bon, si aujourd'hui nous sommes tous ici au courant que il y a un proche de Guillaume Soro qui est cité dans des découvertes de dépôts d'armes. Donc, ça, c'est comme il y a une rivalité entre le président et le président de l'Assemblée actuellement. Alors, si le président de l'Assemblée connaissait les conclusions de cette comité de vérité et de suivi, et qui voulait que ces vérités sortent aujourd'hui, parce qu'il est en discordance avec le président, il peut toutefois dire que il réclame une réconciliation. Et s'il réclame aujourd'hui une réconciliation, les gens vont se rappeler qu'il y avait eu réconciliation et qu'il n'avait pas eu le résultat. Donc les gens peuvent exiger le résultat caché. Donc les propos de Guillaume Soro peuvent avoir un couteau à double tranchant. Comme Yves aussi l'a dit, ça peut être vrai ce que M. Yves Kedawa a dit. Mais je crois que, je pense bien, nous voulons la réconciliation en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Le M. Soro Diom, écoutez. Prend l'engagement. J'arrive, j'arrive. M. Soro Diom prend l'engagement sur lui pour dire, je vais essayer d'emboîter le pas à M. Alassane Ouattara, qui devrait quand même être au devant des choses, pour, parce que Soro Guillaume aussi, c'est un élément du RDR. Oui. Donc, est-ce que Soro Guillaume et M. Alassane Ouattara, est-ce qu'ils se sont vus? Peut-être qu'ils se sont, je ne dirais pas peut-être, mais ils se sont vus, parce que M. Soro Guillaume ne peut pas se lever de ses propres pieds pour aller jusqu'en France pour prôner cette histoire de réconciliation. C'est qu'il s'est vu avec le président de l'Assemblée, le président Alassane Ouattara. Parce que le problème avait été en son temps confié à qui? À M. Kona Bani. Mais jusqu'à preuve du contraire, M. Kona Bani a déposé les résultats de cette réconciliation. Mais le président ne nous a pas fait part de ces
de ces résultats. Mais les résultats sont là. Mais les résultats sont là. Pourquoi le peuple a besoin qui vont nous dire ça. Voilà. C'est eux qui vont nous dire ça parce que si ce regard se lève maintenant pour dire la réconciliation, Monsieur Kenao, est-ce que réellement cette réconciliation peut être effective? Bon, moi, je crois que, en attendant Monsieur Kenao, hein, je crois que Guillaume Soro voulait demander au comité de publier les résultats, mais il dit ça autrement. Parce qu'il avait eu réconciliation, comité de réconciliation qui a travaillé et que les résultats ne sont pas encore sortis. Donc, comment est-ce qu'on va, on va faire une autre réconciliation si la réconciliation de ce résultat n'est pas sortie? Donc, c'est peut-être que Guillaume Soro est en train de réclamer la publication de ces résultats. Aussi, je voulais ajouter, je disais tout à l'heure que peut-être que le Guillaume Soro est quatrième homme de l'État. Mais c'est sur papier. Mais en réalité, Guillaume Soro peut être le numéro 1 ou le numéro 2 de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Concernant le passé récent de la Côte d'Ivoire. D'accord. Je crois qu'on va, on va y revenir, Monsieur Kenao. Nous disons que la Côte d'Ivoire a besoin d'une réconciliation. Je vous surprendrai en vous disant que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une réconciliation à l'heure actuelle. La Côte d'Ivoire a besoin, les Ivoiriens ont besoin de manger à leur faim. Les Ivoiriens ont besoin d'une sécurité pour tous. Les Ivoiriens ont besoin que les, comment vous les appelez, ceux-là qui tuent dans la rue en allant, voilà. Les microbes. Les microbes, voilà, c'est le mot là-même que je cherchais. Les Ivoiriens ont besoin que les microbes soient nettoyés, soit que les lieux, que les rues de la Côte d'Ivoire soit désinfectée de ces microbes-là. Surtout si les Ivoiriens trouvent du travail, que le petit Ivoirien qui est commerçant, qui arrive à vendre, que l'argent circule, que les Ivoiriens retrouvent la vie qu'ils menaient, je vous dis que cette blessure va se cicatriser et la réconciliation sera faite de bon cœur. À l'heure où je vous parle, les Ivoiriens peuvent se mettre à la table, autour d'une même table, à la longueur de la journée ou des semaines. Le résultat qui sortira sera comme une petite souris. Parce que les cœurs sont toujours meurtris. Parce que l'Ivoirien ne trouve pas à manger. Parce que l'Ivoirien ne peut pas circuler librement dans la ville. C'est parce que l'Ivoirien ne peut pas dire ce qu'il pense sans avoir peur qu'on va l'arrêter ou qu'on va l'abattre. C'est ça la réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas de rassembler les gens, les politiciens. Quand nous parlons de réconciliation, ce n'est pas le peuple. Ce sont ces mêmes politiciens qui vont se retrouver autour d'une table avec un budget de milliards et de milliards de francs CFA. Parler entre eux, boire leur champagne, lire des résolutions sans que ni tête. Je suis quand même d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas cette réconciliation de façade. Est-ce que vous avez regardé la réconciliation nationale au temps du président Laurent Gbagbo, où non seulement tous les acteurs politiques étaient réunis autour de cette réconciliation, mais tous les dignes fils de la Côte d'Ivoire, chacun avait son passage sur le micro pour dire réellement de quoi il était capable, qu'est-ce qu'il n'allait pas, qu'est-ce qu'il fallait corriger pour que cette réconciliation soit la vraie réconciliation. Je vais vous donner, allez-y. Je vais vous dire quelque chose de très... Ça, c'est une révélation. Il n'y a jamais eu concertation entre le président et son président de l'Assemblée. Parce que les deux ne s'entendent plus. Il n'y a jamais eu. Et qu'est-ce que vous faites dire ça? Parce qu'on a aujourd'hui la réconciliation. Je vous dis. Parce que si les deux ne s'entendent pas. Je vous dis. Si les deux s'attendaient, la preuve que j'ai, c'est les deux. Si les deux s'attendaient, le président va vouloir prendre ce crédit-là. Va vouloir qu'on dise que c'est lui qui a réussi à négocier, à ramener la paix. Non, il peut laisser le champ. Oui, un instant, il ne peut pas. Mais pour des erreurs, je dis ça ne se fait pas. Vous avez droit à la parole tout à l'heure, M. Tissot. Oui. Politiquement, M. Tissot, politiquement, ça ne se fait pas. Et surtout, en tant qu'Africain, les
tout chef d'État africain se réclame le, la première place, le meilleur en ceci, le meilleur en cela. Et je ne vois pas M. Ouattara se retirer pour dire à son président de l'Assemblée d'annoncer cette nouvelle aussi importante. C'est pas possible. Ça ne se fait pas. D'accord. Monsieur... Donc je vous dis que cette réconciliation dont on parle déjà, pour moi, elle a échoué parce qu'elle n'est pas faite sur des bases réelles, sur des bases authentiques. Pourquoi je dis ça? Quand, vous l'avez dit dans votre introduction, quand vous voulez une négociation, c'est que vous savez qu'il y a problème. Est-ce que le gouvernement Ouattara reconnaît qu'il y a problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce que le gouvernement Ouattara reconnaît qu'il y a problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Si le gouvernement Ouattara reconnaît qu'il y a problème en Côte d'Ivoire, qu'il nous dise quel est ce problème. Et c'est à partir de là qu'on va chercher des solutions. Et si la réconciliation fait partie des solutions, là, il y aura réconciliation. Mais on ne peut pas faire réconciliation sur quelque chose qui n'est autour de quelque chose qui n'existe pas, ou du moins ce qu'on ne reconnaît pas. On nous a dit que l'économie est en boom, que les hôpitaux sont construits, les ponts sont construits, les routes sont construites, que tout va bien, l'économie est à double, bientôt on nous dira triple chiffre. Vitesse. Hein? Voilà. Vitesse exponentielle. Alors, est-ce que ce gouvernement reconnaît qu'il y a problème? D'accord. Je crois qu'on va passer aussi à monsieur. Oui, mais monsieur Yves Kenaoko. Monsieur Kamevi. Oui. Vous savez aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, comme l'a dit monsieur Kenao, oui. Est-ce que le président Alassane Ouattara, sinon le régime en place, reconnaît réellement qu'il faut faire la réconciliation? Et s'il faut faire la réconciliation, non seulement à quel prix, mais quelle est cette raison qui leur amène à faire la réconciliation? Est-ce qu'il reconnaît réellement s'il y a un problème? De deux, il y a des prisonniers politiques. Les gens sont en exil. En Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu exil. Il n'y a jamais eu exil. La constitution de la Côte d'Ivoire à son temps disait qu'un Ivoirien ne doit pas être en exil. Aujourd'hui, on a une nouvelle constitution. Une constitution, l'ancienne constitution qui a été réellement balayée et une naissance de la d'une autre constitution qui la pose, troisième qui pose toujours le problème de l'Ivoirien. Voilà. Qui est aujourd'hui là. Mais est-ce que cette constitution prône aujourd'hui la réconciliation telle qu'elle est? Monsieur Atisso, dans ces conditions où aujourd'hui on a l'insécurité totale, où l'Ivoirien ne mange pas, où le président lui-même ne s'investit pas dans cette reconstitution, mais c'est le simple président de l'Assemblée nationale qui prend la relève pour dire la réconciliation. Et il prend la réconciliation. Est-ce que réellement c'est une réconciliation, Monsieur Atisso? Alors, Monsieur Serge Niawa, merci de m'avoir donné la parole. Je voulais un peu s'étendre sur ce que Monsieur Yves Kenao disait, que si réconciliation, il doit en avoir, c'est le président qui devait endosser la responsabilité et avoir tous les crédits. Je voulais tout simplement compléter ce que Monsieur Yves Kenao disait, que si, par exemple, si le président et le président de l'Assemblée sont en commun accord qu'il y a, il doit avoir une réconciliation, si il laisse le champ au président de l'Assemblée de faire cette déclaration, le plus tôt possible, le président doit appuyer. Ici, ce n'est pas le cas express. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et aussi, un proverbe africain qui dit que si un aveugle te dit qu'il va te lancer une pierre, sache qu'il a la pierre en main ou bien il a ses pieds sur la pierre. Cela dit, si Guillaume Soro se lève unilatéralement et dit qu'il demande une réconciliation entre les Ivoiriens, sachant que, je le disais tantôt, que Alassane Draman Ouattara avait dépensé des milliards sur le dos du contribuable ivoirien pour organiser une comité réconciliation qui a travaillé des années et qui n'a pas fait sortir les résultats. Plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Les résultats sont là, mais n'est pas porté au public. Donc, qu'est-ce qui empêche le résultat d'être donné aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent, à partir de ce résultat, donc, avant de pouvoir mettre en vue une autre réconciliation, voilà. Il faudrait qu'on ait les résultats du comité de suivi et de réconciliation. Voilà.
S'il était parrainé par M. Kona Bani à son temps. Voilà. S'il y a eu comité de suivi de réconciliation, ça doit s'accompagner des recommandations qui doivent être mises en place pour que le peuple observe ça et que le peuple se réconcilie et se pardonne. Mais il n'y avait pas eu tout cela. Les résultats d'abord ne sont pas sortis. Donc, si Guillaume Soro peut réclamer la sortie des résultats, ce serait bon. Maintenant, qu'est-ce que le coûte de dire directement au peuple que je demande qu'il y ait publication des résultats de l'ancienne commission de réconciliation de vérité? En tant que président de l'Assemblée, il pouvait le dire. Voilà. Mais, comme M. Ikenao l'a dit, que le gouvernement n'a qu'à nous dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas un problème entre les Ivoiriens actuellement, mais c'est un problème entre la mouvance présidentielle. C'est ce que moi je vois. Il y a un problème entre la présidence et le président de l'Assemblée. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas sans savoir que les proches de Guillaume Soro sont mis en examen. Et Guillaume Soro est sorti sur les médias. Il a dit à ces gens, avec la découverte de dépôt d'armes, de dire rien que la vérité et rien que la vérité. Et depuis lors, on n'a rien entendu de cela. On n'a pas eu des trucs du procureur de la République et des déclarations sur les dépôts d'armes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les armes sont arrivées chez le bras droit de Guillaume Soro? Alors, si le procureur de la République ni la présidence ne peut pas nous donner pourquoi qu'est-ce que les armes cherchaient là-bas, et le président de l'Assemblée qui voit son proche accusé sort et fait cette déclaration de réconciliation, c'est qu'il y a quelque chose encore qui se prépare et que l'Ivoirien doit être très 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 attentif. Mon cher Kenao, je pense qu'on a un problème niveau. Non, vous avez de sûr problème. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui se prépare en Il y a un problème en Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Ce n'est pas un problème, un sérieux problème. La réconciliation qu'on demande, nous ne sommes pas au courant des résultats de la première réconciliation dirigée par M. Kona Bani. M. Soro Guillaume sort de sa réserve pour dire qu'il faille qu'il y ait réconciliation en Côte d'Ivoire. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cache d'armes. Ça veut dire que les gens sont en train de faire les enquêtes et les enquêtes. Il y a un côté qui est accusé. Donc, M. Soro Guillaume se sent mal à l'aise. Est-ce que ça dit que entre la mouvance politique en place, du régime en place, et M. Soro Guillaume, il y a quand même quelque chose qui ne va pas? Si ça ne va pas, comment cette réconciliation doit être conduite? Qui sera à la tête de cette réconciliation? Où on amène le bateau? Où va la mouvance présidentielle aujourd'hui, Ouattara? Voilà, je vous ai dit qu'il n'y a jamais eu concertation. Faut me demander où sont les preuves. Il n'y a jamais eu concertation, monsieur Serge. Je vais vous dire une chose. Imaginez que le président de l'Assemblée qui demande qu'il y ait réconciliation. Au niveau de la Côte d'Ivoire, donc ça veut dire une réconciliation nationale. Il n'y a pas eu une commission d'organisation de cette réconciliation. Il n'y a rien qui soit mis sur pied. Mais bizarrement, c'est un ami étranger, un ami africain du président de l'Assemblée nationale qui est devant pour organiser la réconciliation d'une nation, s'il vous plaît. La réconciliation d'une nation. Pas un gouvernement, un Africain, un Camerounais, pas un Ivoirien non plus, un Camerounais. Je crois que vous allez avoir, vous parlez voilà. Yamsi, vous allez voir ça donc, tout à l'heure. Donc, c'est pour vous dire que cette histoire-là est plus personnelle que nationale. Elle est personnelle à M. Soro. Vous allez, on va attaquer non, ce sujet. Voilà, c'est plus personnel, c'est une affaire personnelle de Soro, pas une affaire ivoirienne. C'est Soro qui cherche à se faire pardonner par le peuple ivoirien. Vous comprenez? Si vous ne le savez pas, Soro ne veut pas une réconciliation pour les Ivoiriens. Soro veut que le peuple ivoirien le trouve comme un messie, un sauveur. Puisque c'est lui qui arrive. Alors que quand il a écrit son livre, où il a dit
Pourquoi est-ce que je suis devenu rebelle? Rebelle. C'est parce que le Nord, d'après lui, n'était pas... comment on appelle... N'était pas bien servi. N'était pas bien servi, voilà. Bien sûr. Et aussi, il y avait quand même beaucoup de problèmes que eux ils sentent parce qu'ils parlaient de rattrapage ethnique. Ah. C'est-à-dire, au niveau même du régime du président Laurent Gbagbo, il y avait plus de ces gens-là que les gens du Nord. Alors que quand vous prenez ce régime, il était constitué de tout Ivoirien du bord et surtout du Nord. Voilà. Mais aujourd'hui, on parle d'une réconciliation. C'est ce que je vous dis. Quand j'ai analysé la démarche de Guillaume Soro, c'est une démarche unilatérale. C'est une démarche personnelle. Qui veut le mea culpa personnel, pas réconcilier les Ivoiriens. Vous comprenez? Parce que une affaire nationale s'organise en groupe de tous bords. Voilà que c'est l'ami personnel de M. Soro qui s'occupe de l'organisation d'une réconciliation d'une nation. Et ce n'est pas un ami ivoirien qui connaît bien les problèmes ivoiriens. C'est un étranger. Nous avons vu ces réconciliations-là à travers l'Afrique. Nous avons vu en Afrique du Sud. C'est son conseiller personnel, M. Kenao. Voilà. Il peut prendre quelqu'un d'autre, voilà. Peut-être un clochard quelque part pour dire « Tu dois être mon conseiller. » Voilà. Et c'est ce conseiller-là qui on a vu va commencer à faire la réconciliation alors qu'il ne connaît pas réellement les Ivoiriens. Vous allez voir tout à l'heure une vidéo dans laquelle il s'exprimait et les Ivoiriens lui ont intimidé l'ordre de se taire et de l'écouter. Voilà. Parce qu'on ne peut pas faire une réconciliation sans guérir. Chaque Ivoirien. C'est ce que je vous ai dit. Monsieur Kenao, monsieur Serge Niawa, moi, durant toutes ces années, l'année du règne de Ouattara, je vois que la réconciliation, même réelle, de la Côte d'Ivoire se résume à un seul point. Et c'est ça qui est très important. Je ne sais pas que c'est ça que Guillaume Soro demande aujourd'hui. Guillaume Soro est un gros gaillard. Oui, c'est un gros gaillard. Qu'il dit, il doit dire ce qu'il a dit, c'est ça qu'il a dit. Ça, il a caché rien derrière. C'est un gros gaillard. C'est un rebelle. C'est la libération de la Gbagbo. La libération pure et simple, immédiate de Laurent Gbagbo. C'est tout. Si Laurent Gbagbo est libéré aujourd'hui, alors nous sommes en train de parler. Oui, c'est la réconciliation. Si Laurent Gbagbo est libéré aujourd'hui avec Simeon Gbagbo, c'est fini. Et Blé Goudé? Non, que Blé Goudé soit en prison ou pas, si Gbagbo est libéré aujourd'hui, c'est que automatiquement Blé Goudé sera libéré. C'est qu'il est encore dans l'avion, il n'a pas encore atterri sur le sol ivoirien. Il est les gens sont déjà réconciliés. Oui. Ça veut dire que. En fait, le père de la nation. C'est pas le père de la nation, il est l'âme de la nation ivoirienne à l'heure voilà. Actuelle. Gbagbo, qu'on ne se trompe pas. Je ne veux pas faire du mal aux supporters de Ouattara. Je n'ai rien contre Ouattara. Mais quand il s'agit de dire la vérité, rien que de la vérité, je le dis. Je n'ai pas peur de le dire. À l'heure où je vous parle, l'âme de la Côte d'Ivoire, l'âme de toute la nation ivoirienne se trouve dans les mains d'une seule personne. C'est Gbagbo. Et Gbagbo constitue... Même l'Afrique? Gbagbo, je ne vais pas trop loin. Je m'arrête à la Côte d'Ivoire. Gbagbo est l'esprit vivant de cette nation. En Gbagbo vit la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que la Côte d'Ivoire, Gbagbo vit en la Côte d'Ivoire, non. En Gbagbo vit la Côte d'Ivoire. Et la seule libération de Gbagbo ramène toute une paix en Côte d'Ivoire, cicatrise toutes les blessures de la Côte d'Ivoire. Je le dis, je ne retire rien des valeurs de M. Ouattara, mais c'est ça qui est important. Gbagbo peut sortir de la prison. Gbagbo peut être libéré et demander à son frère Ouattara de continuer par gouverner. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est ce que le camp Ouattara n'a pas compris. Gbagbo, en tant que Gbagbo, ayant vécu la misère, ayant vu ce que le peuple ivoirien a vécu rien qu'à cause de Luc Gbagbo. Si Gbagbo est libéré aujourd'hui, Gbagbo va encore dire à M. Ouattara, mon petit frère, continue par gouverner ce pays. Je peux t'assister du dehors. Et ça ramène la réconciliation. Mais pas
monsieur Guillaume Soro. Non, Guillaume Soro peut aller faire toutes les déclarations qu'il veut, mais la Côte d'Ivoire ne sera jamais réconciliée. Atisso. Yeah, c'est ce que j'allais dire, monsieur Kenao a pris la parole, il a tout dit, donc... D'accord, je crois que on va essayer de visualiser la première vidéo et vous allez voir quels sont les tenants et aboutissants de cette première vidéo. Bonjour Monsieur Diamsi. Bonjour. Axel Hilary, La Dépêche d'Abidjan. Tout à l'heure, vous avez rappelé que le Forum de la Réconciliation Nationale qui a eu lieu en Côte d'Ivoire a accouché, en 2001 a accouché d'une souris. Aujourd'hui, vous nous proposez, vous nous présentez une initiative semblable. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez réussir là où les autres ont échoué? Merci. Alors, donc c'est la première question. La première question, la deuxième est plutôt... va plutôt dans le sens d'une proposition. Oui. Je pense qu'au lieu de dépenser de l'argent dans des initiatives de ce genre, est-ce qu'il ne serait pas judicieux, par exemple, de sensibiliser, d'éduquer les gens sur le civisme? Vous voyez? Voilà. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, par exemple, de faire comprendre aux gens que pour revendiquer, on n'a pas forcément besoin de prendre des armes? Je pense qu'il faut faire comprendre ce genre de choses aux gens plutôt que de leur servir de colloque au bout desquels on n'a rien. Là, c'est une opération budgétivore, comme l'autre le disait tout à l'heure. Parce qu'en 2001, il y a eu un rassemblement pareil, qui n'a rien donné. Les cœurs n'ont pas été désarmés. C'est que les gens ne sont pas sensibilisés par rapport à certaines valeurs. Et ce qui manque, à mon avis, à nos populations, il faut éduquer les gens au civisme. Parce que s'ils étaient éduqués, ceux qui engagent aujourd'hui un processus de réconciliation en Côte d'Ivoire ne seraient pas à le faire, parce qu'ils n'auraient pas pris les armes. Donc, je pense qu'il y a ce genre de priorités sur lesquelles il faut qu'on insiste, au lieu de passer notre temps dans des colloques qui ne servent à rien finalement. Alors, d'abord, réussir où les autres ont échoué, je crois qu'il ne faut pas confondre l'échelle des événements. Ici, il s'agit d'un colloque. C'est un colloque où les gens vont donner des communications argumentées, dans lesquelles ils vont faire des propositions sur l'évolution du processus du pardon et de la réconciliation. J'ai dit dans mon exposé préliminaire qu'il y a des choses qui ont été réalisées. On ne peut pas nier que dans ce domaine, des choses ont été réalisées. Il y a eu des progrès qui ont été obtenus. On ne va pas, dans ce domaine-là, tout recommencer à zéro. Il y a eu des choses qui ont été faites par la CDVR. Il y a des choses qui ont été faites par la CONARIV. Il y a des choses qui sont faites par le ministère chargé de la cohésion sociale, de la professeure Marietou. Toutes ces choses sont des apports sur lesquels, eh bien, l'Assemblée nationale a décidé de venir apporter également sa pierre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes très modestes. Nous ne réinventons pas à zéro le pardon et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le président nous charge de renforcer, d'accélérer, parce qu'il y a des attentes qui durent et qui deviennent des désespérances. Donc, il s'agit d'un colloque, il ne s'agit pas d'un forum de réconciliation nationale. Attention, ce colloque n'a pas autorité politique. Ce colloque a simplement une vocation scientifique. Quand j'invite
Nous invitons un professeur comme M. Christian Bouquet, un connaisseur de la géopolitique de la Côte d'Ivoire, à venir donner sa contribution. C'est juste pour éclairer la lanterne de tout un chacun. Le colloque sera le lieu de proposition, non pas le lieu de décision. Nous n'avons aucune espèce de pouvoir de décision, ni sur la députée ivoirienne, ni sur l'exécutif ivoirien, ni sur la justice ivoirienne. Il s'agit vraiment d'un colloque. Ce n'est pas le forum de 2001 qui, quant à lui, était vraiment un forum effectivement institutionnel avec des promesses de rassemblement du corps politique. Ce que nous voulons, c'est que nous avons tenu 4 colloques à Abidjan, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Celui-ci, cette fois-ci, littéralement, il est, exporté à l'extérieur pour pouvoir recueillir aussi des contributions ici. Quel que soit le Parlement considéré, cher monsieur, c'est important qu'il y ait des intellectuels, qu'il y ait des politiques, des citoyens qui se réunissent de temps en temps pour discuter. Moi, je trouve que l'une des faiblesses de nos sociétés africaines, c'est qu'elles ne veulent pas prendre l'habitude des traditions de discussion. On ne discute pas toujours parce que ça va donner tout de suite des résultats, mais parce que c'est cela, justement, le fondement de la civilité politique. La civilité politique commence quand il y a beaucoup de lieux de discussion et beaucoup moins de lieux de conflit, en tout cas de confrontation dans une société. On ne peut pas trancher la question de l'usage des armes simplement par l'idée que toute personne qui fait usage des armes est une personne incivique. Parce que si on rentre dans cette logique, ben, aucune résistance parmi toutes celles qu'on glorifie, comme celle qui a libéré la France du nazisme, ou celle qui a libéré l'Afrique du Sud de l'apartheid, aucune de ces résistances ne serait valorisée. Les gens ont oublié que Nelson Mandela avait pris des armes avec Umkhonto et Sizwe contre le régime sud-africain. Les gens ont oublié que De Gaulle, avec 177 de ses camarades, va en Angleterre et monte un commando. Bon, imaginez que l'Angleterre s'appelle Burkina Faso et que la France s'appelle Côte d'Ivoire. C'est ce que De Gaulle a fait. Il est allé monter un commando de France. Vous m'avez vu en compagnie de M. Alain Toussaint. Vous savez bien qu'Alain Toussaint, c'est l'un des meilleurs argumentateurs et débatteurs de ces 10 dernières années en Côte d'Ivoire. Et je vous dis qu'Alain Toussaint n'a pas renoncé à ses convictions pour discuter avec Franklin. Contrairement, s'il vous plaît. Détrompez-vous. Je vais me présenter, je suis Aïe Lekouchen. Voilà. Non, je suis assis ici. Écoutez, je suis journaliste. Ok, voilà. Quel organe de presse vous avez? Je ne vais pas me présenter, mais je dis simplement que là, ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Et je vous le dis maintenant devant vous. Nous sommes ivoiriens comme vous. Vous prenez la réconciliation, d'accord? Nous avons des revendications. Nous demandons seulement celui qui vous envoie, M. Soro Guillaume, l'assassin des Ivoiriens, qu'il reconnaisse ses torts d'abord. Écoutez, non. C'est énervant. C'est énervant. Je vais me calmer, mais laissez-moi m'exprimer. Soro Guillaume est un assassin. Vous le savez très bien. C'est un tueur des Ivoiriens. Est-ce qu'à ce jour, Soro Guillaume a demandé la libération des prisonniers politiques? Non. Est-ce que c'est vrai qu'il va faire revenir les jeunes d'exil? Non, ce n'est pas respecté. Franklin Yamsi, vous n'êtes pas ivoirien, à ce que je sache. Que faites-vous devant nous ici en train de parler de réconciliation des Ivoiriens qui ont eu la guerre? Allez voir les Ivoiriens qui sont au Togo, allez voir les Ivoiriens du Ghana et parlez-leur. Ne venez pas nous parler à nous de la diaspora. Qu'est-ce que nous allons faire en Côte d'Ivoire là-bas? On n'en a rien à faire là-bas. C'est vous qui avez tué les Ivoiriens. Et quand je dis vous, vous êtes complices. Parce que Soro Guillaume est un assassin. Donc nous demandons simplement à Soro Guillaume de libérer nos parents, de demander simplement que les parents reviennent d'exil. Après, on pourra parler avec lui. Mais jusque-là, on ne demande rien et on ne fait rien avec ce Guillaume. Donc, si vous convoquez la diaspora ivoirienne, là, je vois dans une petite salle comme celle-là, et puis il y a 2-3 personnes, mais c'est honteux et c'est moqueur. Et c'est se foutre la gueule des Ivoiriens. Vous voulez faire quelle politique? Nos parents qui font la politique sont en prison. Le président est en prison. Vous voulez faire politique avec qui? Avec qui? Vous ne prenez pas de questions. Pour l'instant, monsieur, nous sommes là, nous sommes assis, nous allons parler. On n'a pas encore fini. Je vous dis, mais écoutez, nos parents sont morts, d'accord? Oui, nos parents sont morts. Tant que les plaies ne sont pas pensées, on ne parlera pas de réconciliation ici en Côte d'Ivoire. D'accord? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Monsieur, on va commencer par la parole. Si tu prends la parole, on parle. Monsieur, s'il vous plaît. Même Franklin, va te dire de le laisser parler. Voilà. Frère. Tout va bien. Tout va bien. Tout à l'heure, Franklin a dit des choses qui sont intéressantes. Oui. Ok. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'objectivité. Oui. Au-delà de leurs errements politiques et tout, il a soulevé des faits qui sont intéressants. Oui. À savoir la subjectivité, à savoir le fait que personne n'a la science infuse. Oui. Ok. Et il a dit, il a abordé des chantiers tels que de souffrir de la contradiction. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour vous dire que depuis un bon moment, vous amorcez un certain nombre de discussions. Nous regardons
avec bienséance. Aujourd'hui, aucun Ivoirien en Côte d'Ivoire n'a pour, en tout cas, souci le fait que la Côte d'Ivoire ne se réconcilie pas. Écoute bien mon message. Je suis un Black Mondo, je ne suis pas journaliste, rien. Mais on a été très content de voir au détour de nos messages aujourd'hui qu'il y avait quelque chose de si important. La réconciliation en Côte d'Ivoire et tout, c'est quoi? C'est une base qui est importante pour nous. Voilà. Moi, je suis venu ici pour dire que depuis un bon moment, j'essaie de disséquer les dires de M. Franklin Yamsi. Lorsqu'il parle d'Alain Toussaint comme étant l'un des plus grands débatteurs de toutes les 10 dernières années, j'aimerais simplement lui dire que lorsqu'on fait des élections Miss Côte d'Ivoire, on choisit la Miss parmi celles qui se sont présentées. Et donc, s'il est ahuri, s'il est abasourdi par le talent d'Alain Toussaint, c'est parce que, au terme, sinon au nom de ceux qui connaissent, Alain Toussaint fait partie. Sinon, il y a des Ivoiriens qui sont très intelligents, qui sont très éloquents. Ok? Nous sommes venus ici aujourd'hui, là. Moi, j'ai un message particulier. Parce que quand on s'adresse à ce monsieur, on s'adresse à Soro Guillaume. Soro Guillaume, je l'ai connu, je l'ai côtoyé. Voilà. Je ne vais pas rappeler l'histoire. On a un message qui est un message de fond. Les résistants ont un message qui est un message de fond. Ne passez pas par perte et profit pour jouer avec les intérêts de la Côte d'Ivoire. Je vous regarde dans les yeux et je vous le dis. Vous êtes Camerounais d'origine, nous sommes panafricains, nous respectons la provenance de tout un chacun, mais nous disons que vous ne pouvez pas parler de la Côte d'Ivoire mieux que nous. Et ça, c'est un propos qui est toujours redit à des gens comme Bernard Houdin, tout ce que vous voulez, qui ont été les conseillers de Laurent Gbagbo, qui sont français d'origine, qui, lorsque ça chauffait, avec leur passeport, ont eu le droit de quitter la Côte d'Ivoire. Vous pouvez parler pour nous, je suis non, mais... Oui, c'est émotif. Oui. C'est émotif. Allez-y. Et je suis un être émotif. Et puis les humains sont émotifs. Lorsque je parle pour tous ceux qui ont subi des conséquences. Dans vos façons de parler, on voit que par moments, vous prenez des raccourcis. Vous essayez d'expliquer la légitimité et tout de la rébellion. La rébellion n'est pas légitime aujourd'hui. Elle n'est pas légitime demain. Aujourd'hui, pourquoi vous approchez et tout les pro-Gbagbo? Pourquoi vous approchez et tout un clan qui, à un moment donné, a été taxé de camps qui étaient minimes? Parce que c'est ça la réalité. Que la majorité était avec vous, et que la Côte d'Ivoire va bien, et que les Ivoiriens sont réconciliés, et que la Côte d'Ivoire prospère, et que le chiffre de croissance frise les deux chiffres. Tout ça, on est d'accord dessus. Il y a des rapports des parlementaires très sérieux français qui ont démontré que la Côte d'Ivoire va mal. Nous, nous faisons partie de la jeune garde, des cyberactivistes, qui ne voulons pas que les gens lésinent sur les moyens pour réconcilier la Côte d'Ivoire. Les douleurs ont été profondes. Les blessures sont inguérissables. La plaie de la Côte d'Ivoire, elle est profonde. Nous aspirons à des choses nouvelles. Mais nous disons que nous ne pouvons pas éponger de façon trop facile pour ne pas revivre notre histoire. Je dis ici, là, aujourd'hui, même quand on parle des ouais, et ceux qui sont morts dans l'Ouest. Nombreux sont ceux qui sont morts, ouais ou pas. Si vous voyez M. Soro Guillaume, dites-lui que Alain Toussaint, Siriki Bakaba, quelles que soient ces prises de guerre, parce que moi j'appelle ça les prises de guerre, voilà, à un moment donné, on fait diversion. Quelle est la légitimité de venir voir aujourd'hui les gens de la diaspora, qui eux-mêmes pendant la guerre étaient là, chez eux, tranquilles, qui n'avaient que des bribes d'informations et qui mangeaient leurs steaks à leur faim? Aujourd'hui, la réalité, ce sont nos frères qui sont dans la sous-région, au Libéria, au Ghana, au Togo, qui souffrent, nos sœurs. Est-ce que vous me permettez de vous répondre? Non, je vais vous laisser la possibilité. Mais dans tous les cas, vous gagnerez tout à m'écouter. Mais je vous écoute. Parce que derrière ce que je dis, c'est un message que vous allez adresser à Soro Guillaume. Bien sûr. Vous comprenez? Un conseiller, vous êtes écouté, vous faites mains et pieds, voilà. Déjà, de façon ahurissante d'ailleurs, l'effort que vous faites pour la Côte d'Ivoire, vous ne le faites pas pour vos pays d'origine. Mais cela, à chacun, nous on dit chez nous, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Là, aujourd'hui, je vous dis, et je l'ai dit dans toutes mes vidéos, je le redis, à tous ceux qui veulent tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire, la réconciliation en Côte d'Ivoire, nous sommes tous d'accord. Mais comprenez ce principe-là. Il y a des gens qui ont été des victimes directes.
qui ont subi des choses, des veuves, des enfants, des gendarmes qui sont aujourd'hui orphelins. Ceux-là, il faut s'adresser à eux. Lorsqu'il y a un pays en guerre, on essaie, après la guerre et tout, de penser aux causes endogènes et exogènes de cette guerre. On essaie de voir comment faire pour ne pas qu'on répète la même chose. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que quand nous regardons dans le fond, et que M. Soro Guillaume, là j'ai, oui, chaque fois que M. Soro Guillaume s'exprime, son premier mot a été toujours la réconciliation. Moi, je peux vous montrer des vidéos où M. Soro Guillaume prétend que s'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, c'est parce que le Nord était délaissé. Prétend que s'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, c'est parce que les Nordistes ont été, n'est-ce pas, piétinés. Prétend que s'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on refusait que les gens portent des boubous. S'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, c'est parce que lui, Soro Guillaume, a été contrôlé et qu'on lui a demandé une pièce d'identité. Ce n'est pas nous qui le disons. Hein. Vous savez, ce qui est intéressant, vous allez répondre, je vais vous écouter. Mais je vous dis, je vous dis. C'était une conférence de presse, oui. Ce n'était pas le colloque. Oui. Nous allons organiser les 9, 10 septembre prochain, c'est ce que je venais annoncer ici aujourd'hui, oui. Un colloque où je vous promets devant toutes ces caméras de vous inviter pour que vous parliez. D'accord. Vous comprenez? Ok. Prenez contact. Le message, je l'ai compris. Mais en même temps. Mais permettez-moi de vous répondre, c'est oui, difficile. Mais vous ne pouvez pas savoir. Donc, combien écoutez, de fois vous a cherché qu'on ne vous a pas trouvé. Bon, voilà. Combien de fois non, on veut des débats contradictoires qu'on n'en trouve pas. Et donc, c'est une occasion pour nous aujourd'hui. Même si vous êtes dans l'annonce et tout de votre colloque, permettez-nous, quand on a une occasion aussi importante, aussi inouïe, frère. Vous allez souffrir de ce silence-là aujourd'hui. Vous allez souffrir. Vous avez la RTI. Vous avez tous les plateaux télé. Aujourd'hui, là, nous disons que... Moi, je vous dis simplement que... Faites passer le message à Soro Guillaume. Dites à Soro Guillaume... Le 9-10, All Black Moto. Les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, nous ne serons pas à votre colloque. Nous ne serons pas à votre rendez-vous. Nous avons affaire aux sanguinaires, aux tueurs d'Ivoiriens. Tant que les fautes ne sont pas reconnues à la télévision ivoirienne, on n'a rien à faire avec vous. Non, on vous le dit. Moi perso, vous connaissez d'abord perso, sur la RTI, perso, aux Ivoiriens, perso, on reviendra. Perso, on reviendra. Parce que, au-delà de ce que nous faisons, il faudrait qu'on discute. Mais nous disons que dans la discussion, nous avons des préalables. Okay? Rien n'essaie de prendre des billets d'avion lointains. Vous expatriez, vous immigrez pour venir nous parler. Nous, en tout cas, nous sommes en harmonie. Nous n'avons pas de problème personnel avec M. Niamsi. Nous n'avons pas de problème personnel avec Soro Guillaume. Nous avons des parents qui ont eu à subir la fatwa de Soro Guillaume, qui ont eu à subir la fatwa de tous ceux qui sont au pouvoir. Et donc, par rapport à ça, si vous voulez entamer, ne serait-ce que le soupçon, ne serait-ce que le plus petit dialogue, commencez par indemniser les gens, commencez par écouter nos parents, commencez par les écouter, à libérer les prisonniers politiques. Que devenons-nous pavaner ici? Nous sommes venus ici aujourd'hui, franchement, c'est par respect pour vous qu'on va vous laisser partir comme ça et tout. Sinon, on était venus dans d'autres dynamiques. Vous faites comprendre que vous allez, mais pour de vrai, vous allez avoir des dorures, vous allez bronzer en Côte d'Ivoire, vous allez vous pavaner avec le roi du Maroc, avec ce que vous voulez. Vous allez, en tout cas, vous allez savoir qu'ici, personne ne sera en paix tant que les questions de fond ne seront pas, n'est-ce pas, analysées et discutées. Mais en tout cas, merci de votre début de discussion, mais faites passer ce message-là et dites-leur que ici, là, il y a des gens qui en ont dans le ventre. Est-ce que je peux vous inviter? Je peux vous inviter? Oui, on va venir. Oui. Mais il faudrait que les choses soient claires entre nous. Voilà. Moi, je vais vous. Merci. Merci. Donc, revenons rapidement sur ce plateau pour continuer notre discussion. Pour ce grand débat, je pense que mes chers panélistes, vous avez vu ce qui s'est passé. Monsieur Niamsi Franklin, qui est le conseiller de Monsieur Soro Guillaume Kibafori, on l'appelle d'ailleurs même Gieska, on appelle Soro Guillaume Gieska, c'est-à-dire Guillaume Soro Kibafori. Kibafori. Gieska, comme on appelle Kibafori. Encore Monsieur Alassane Ouattara, Ado. Donc il dit là son nom. Arikola Bouguier, c'est. Comment on appelle HSK, B, c'est pas moi. Comme Ibuka, ATD. Voilà. Donc voilà un peu, vous avez vu la vidéo, les choses. Revenons aux choses sérieuses. C'est le cœur. Voilà. Donc revenons aux choses sérieuses. Vous avez vu la vidéo, vous avez vu comment les jeunes se sont exprimés. Ils en ont gros sous le cœur. Ils en ont gros sous le cœur. Il a dit qu'ils ont beaucoup de choses dans leur ventre.
ils ont pardonné à M. Niamsi. Sinon, la même manière que Niamsi est venu, il allait retourner d'une autre manière. Mais ils ont quand même pardonné. Et qu'ils ont dit, est-ce que M. Niamsi connaît bien le problème de la Côte d'Ivoire? M. Niamsi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Camerounais. Est-ce qu'il connaît réellement le problème de la Côte d'Ivoire? Pourquoi Soro Guillaume passe par lui pour faire un colloque? Ils ont bien appelé ça colloque, mais pas un... un forum. Un forum de la réconciliation. Donc voilà un peu comment les Ivoiriens se sont inspirés. M. Kenao, je crois que vous avez vu la vidéo. Elle vous a inspiré beaucoup. Et je vous donne la parole pour dire tout ce que vous pensez. Est-ce voilà, que c'est une réconciliation qui va réellement aboutir? Non, jusque-là, je vous dis, ce n'est même pas une réconciliation. Je ne sais pas pourquoi... Qu'est-ce que vous avez entendu de ces jeunes qui ont parlé? Parce que ce n'est pas une réconciliation. Ils en ont reçu le cœur. Quand vous entendez l'envoyé de Sorum Guillaume... Il s'appelle Niamsi Franklin. Le Camerounais. Le Camerounais. Quand vous l'entendez parler, lui ne parle pas de réconciliation. Quand vous avez entendu les jeunes Ivoiriens, les résistants, eux, ils parlent de réconciliation. Des deux camps. Mais il y a des préalables. Qu'ils... Non, des deux camps. Les deux camps n'ont pas le même langage. L'un parle de forum, de suivi de ce que le gouvernement a fait, de ce que l'Assemblée a fait. Qu'ils n'inventent rien. Ils ne viennent pas recommencer à zéro. Ça voudrait dire quoi? Nous l'avons dit, mon collègue Atiso l'a dit sur ce plateau. Ça veut dire qu'ils viennent seulement continuer sur ce que les gens faisaient. Et ça, moi, j'appelle ça gaspillage d'argent, d'énergie et de temps. S'ils ne vont pas pour faire quelque chose de nouveau, c'est ce que j'ai retenu, hein. C'est un gaspillage de tout, du temps, d'énergie, des choses. Mais il y a un élément fondamental. Un élément fondamental dans tout ce qui est dit. C'est le fait qu'on nous dit qu'on veut rassembler un forum qui va rassembler des intellectuels, des scientifiques, des politiciens, la classe civile. Et on oublie le peuple qui a été meurtri de l'autre côté. On parle de tout ce monde-là qui est d'abord un homme, un monde que je qualifie de l'extérieur. Parce que tous ceux qu'on vient de nous citer, ils ont fait de grandes études et qui parlent de grandes études parlent d'une aliénation des réalités en fait du pays. Nous sommes tous Africains, nous avons grandi en Afrique. Celui qui a une maîtrise en Afrique, celui qui a un doctorat en Afrique par rapport à la masse, il y a une grande différence. Et c'est ce monde-là qu'on veut regrouper dans un forum pour discuter de l'avenir de la Côte d'Ivoire, de ces histoires de, d'amener les Ivoiriens à être ensemble. C'est un faux problème. Cette réconciliation entre guillemets devrait se faire à partir des victimes de cette guerre. Mais nous, on nous choisit des intellectuels, des cadres, des scientifiques, des savants, des intellectuels pour résoudre un problème qui est physique, qui est palpable. Mais soyons sérieux, c'est un échec. C'est ce que j'ai dit, que le point fondamental, ce n'est ni pour résoudre le problème, mais se faire partager encore les fonds de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Alors, monsieur Atiso, vous avez vu cette vidéo, vous avez vu l'envoyé spécial de Soro Guillaume, Kibafori Guillaume, monsieur Niamsi Franklin, qui aujourd'hui ne connaît pas réellement le problème dont souffre la Côte d'Ivoire. C'est lui que Soro Guillaume, par lui que Soro Guillaume passe pour résoudre le problème de la Côte d'Ivoire. Et quel est le problème? Pourquoi c'est à la diaspora qu'on va commencer? Alors que les Ivoiriens même qui ont été touchés, qui sont encore en Côte d'Ivoire, qui ne mangent pas, c'est à eux on vient. Et la diaspora, c'est où? Jusqu'en France. Mais il y a quand même beaucoup d'Ivoiriens au Ghana. Ils sont allés hier au Ghana, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été refoulés. Voilà. Les envoyés
spéciaux de M. Alassane Ouattara ont été refoulés. Au vu de tout ceci, la réconciliation qu'engage ce rhodium, est-ce qu'elle est de bon train? Vous avez vu la vidéo tout à l'heure, comment les Ivoiriens se sont exprimés à Tissot. Monsieur Niawa, permettez-moi de commencer par une petite histoire de comment j'ai connu Guillaume Soro. Moi, quand on était sur le campus à Lomé, en 2003-2004, Guillaume Soro était une personnalité de référence pour nous. Guillaume Soro avait de la popularité, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute la sous-région. D'une manière que notre leader de rassemblement estudiantine au pays, en ce moment, on le surnommait Guillaume Soro, pour faire face à l'État. Maintenant, aujourd'hui, Guillaume Soro, qui a fait des faux parcours, devenu rebelle, fait des choses ignobles, qui a tué des Ivoiriens, a perdu cette popularité, non seulement en Côte d'Ivoire, mais sur encore toute la sous-région. Donc, pour revenir à cette vidéo, le représentant, M. Franquin, disait que ils sont là pour continuer ce que l'État a commencé. Mais pas au nom de l'État, mais au nom de Guillaume Soro. Et c'est illégitime ce qu'ils sont en train de faire. Sur le plan juridique, c'est illégitime. Ensuite, il dit réconciliation. Non, ils savent que s'ils touchent les intellectuels, ces intellectuels vont toucher leurs parents et Guillaume Soro aura encore de la popularité. Puisque il y a déjà la guerre entre le camp Guillaume Soro et le camp Ouattara. Donc Guillaume Soro est en train de chercher de la popularité, de rechercher sa popularité qu'il avait jadis. Maintenant, tous en tant que conseiller de Guillaume Soro, je lui dirais non, si tu veux, ce n'est pas de la manière qu'on va procéder. Et je vais lui proposer d'autres choses à faire. Mais ce qu'il fait maintenant, ça me ressemble à l'histoire de comment appelle-t-on, le premier ministre qui a conduit la transition au Burkina. Isaac Zida, qui était l'un qui ont la main sale et qui a cherché, qui s'est imposé aux gens, aux gens de transition. Comme il s'est imposé aux gens de commission comme premier ministre et il a conduit la transition à sa manière en voulant s'enlever du mal qu'il avait fait. Mais le peuple burkina était très intelligent et après la transition, où est-ce qu'il est? Il a fui le pays. C'est ce que Guillaume Soro est en train de faire. Ça ressemble totalement à ça. Parce que Guillaume Soro, après avoir tué les gens, après avoir tué les Ivoiriens, veut passer par les intellectuels pour que ces intellectuels le pardonnent et qu'il va retrouver sa popularité. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu as perdu quelqu'un, vraiment tu as perdu un proche dans ce conflit, ce sera très très difficile. Ça fait beaucoup mal. Pour qu'il y ait réconciliation, il doit avoir justice. Il doit avoir détermination de qui a fait quoi. Mais dans, et tout le monde reconnaîtra. Oui, tout le monde va reconnaître. Cette justice dont vous êtes en train de parler, est-ce que il y a concrètement cette justice là? Est-ce que nous pouvons nous murer à travers tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire qu'il y a une justice vraie, réelle? Il y en a pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais c'est possible qu'on peut avoir cette réconciliation. Tout le monde avoue ce qu'il a fait de mal et il y a un proverbe qui dit: une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc, si vous revenez sur la réconciliation qui a été faite, M. Qui a été faite. Bien avant. Sous Gbagbo Laurent. Donc, on doit. Ça même, la réconciliation. On doit remettre en selle cette copie. On avait connu des réconciliations au Togo. Sous Eyadema, réconciliation armée-nation. Mais Guillaume Soro, il se prend plus intelligent que les autres. Et c'est ça, il veut faire le jeu de cache-cache pour retrouver sa popularité, mais le peuple est meurtri de telle manière que il faut venir devant ce peuple avec des actions palpables, concrètes, pour les convaincre. Et les conseils, je ne sais pas quel est le niveau d'étude des conseillers de Guillaume Soro qui lui ont laissé à lancer ça. Moi, je serai un de ces conseillers, je lui dirai de ne pas faire ça, de faire autre chose. D'accord.
Je crois que, Monsieur Kenao, vous avez vu cette vidéo, vous avez intervenu. Les Ivoiriens qui ont le cœur maître, pas de la d'un préalable, c'est-à-dire la libération du président Laurent Gbagbo, la libération des prisonniers politiques, il faut panser toutes les plaies, il faut aller en Côte d'Ivoire, indemniser ceux qu'on doit indemniser. Aujourd'hui, alors nous sommes en train de parler, est-ce que la réconciliation dont se fit M. Cyril Guillaume est réellement la bienvenue? Ça, je ne vais pas me répéter, mais je vais me répéter. Au risque de ne pas le faire. Mais je vais me répéter, peut-être, pour que ceux qui viennent de nous prendre en cours, en vol, l'entendent. La réconciliation ivoirienne doit être naturelle. Elle doit être sincère. Tout ce que nous disons, justice, que chacun vienne se faire chose, se faire déclarer ce qu'il a fait, tout ça là, c'est rien qu'une comédie. Si les Ivoiriens commencent par manger à leur faim, si les orphelins ne sont pas affamés, ils vont à l'école, ils trouvent du travail, ils ne vont pas trop penser par le derrière. Mais si nous restons dans la situation actuelle, je vous dis que les plaies seront encore ouvertes. Parce que, n'oubliez pas, les gens ont perdu leurs parents. Les parents ont perdu leurs enfants. Le papa qui a perdu toute sa famille est là. Non seulement il ne peut pas se réjouir qu'il a des choses qu'il ne peut pas partager avec sa famille, mais il n'en a même pas. Il cherche le minimum vital. Il ne trouve pas. Celui-là, il a double peine. C'est vrai. Ces gens-là, ils disent que peut-être si mon fils est en vie, peut-être si mon papa est en vie, il va me procurer ça. Alors que s'il a c'est ça, c'est très important ce que M. Yves Kenao est. S'il a ça, il va dire, oh, si papa était là, on allait partager ça ensemble. Voilà. Maintenant, non seulement il dit, si papa là, il allait me trouver ça, il se dit, je suis en train de souffrir. Il y a deux ou trois peines, douleurs que ces gens-là ont. Et maintenant, vous me parlez des individus. Vous croyez qu'on va le chercher pour cette réconciliation? Ceux-là qui viendront applaudir, monsieur le président. C'est eux qu'on va le chercher. Ceux-là qui viendront applaudir, monsieur Soro. Oh, vous avez sauvé ce pays-là avec votre idée géniale. Vous comprenez? Et ça ne guérit pas la plaie. Ce n'est pas une réconciliation. Nous savons, politiquement, nous savons comment ça se fait. Vous n'allez pas quand même demander à votre adversaire de venir vous représenter ou bien de venir s'asseoir à côté de vous devant les caméras. Les Guillaume, les Ouattara ne vont pas aller chercher ceux-là qui viendront dire la vraie vérité de venir rester. Nous avons vu en Rwanda pour dire que ceux qui ont tué sont en train de boire, de manger dans la même assiette avec ceux qu'on a tués, ceux dont on a tué les parents. Où est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est une comédie. Ça ne se fait pas. Donc, que les Soro, les Ouattara, les Gwa, les Bédié ne nous disent pas que les Ivoiriens sont prêts à aller rester autour d'une table pour dire qu'ils sont en train de se pardonner mutuellement. Je profite de l'occasion pour vous donner le point de M. Bédié. Si Guillaume Soro a rendu visite à M. Bédié, et voilà ce que Bédié a dit à Guillaume Soro. Il a dit que Guillaume Soro est mon protégé. Je lui fais confiance. Voilà. Ouais, le petit là. Guillaume Soro est mon protégé. Je lui fais confiance. Bédié qui a vécu depuis combien d'années? Bédié qui a été président. Bédié qui a eu toute l'armée. Aujourd'hui, c'est Soro Guillaume qui est son protégé, M. Kenao. Voilà. Moi, ça ne m'étonne pas que c'est... Moi, je les appelle l'ancien ordre. Hein? L'américain dit establishment. C'est que ceux-là qui ont... Vous savez, ce monde est en train d'évoluer à pas géant, que les gens ne voient pas. Hein. Le monde est en train de se transformer. Que les anciens, que j'appelle aussi les barons de l'ancien régime, qu'ils cessent. C'est comme ça que je les appelle. Ces barons de Bédié qui pensent que Soro est de l'ancienne classe. Il est en train de partir. Soro est en train de partir. Après ce virage de 2020, ça aurait fini.
Donc je vous dis que la réconciliation ivoirienne, elle m'est chère et elle doit être sincère, s'il vous plaît. Elle doit commencer, monsieur le président. Maintenant je m'adresse à monsieur le président ivoirien. Trouver du travail aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Ramener la sécurité dans le pays. Que les Ivoiriens puissent vous dire ce qu'ils pensent vis-à-vis, qu'ils n'aient pas peur. Vous verrez que les plaies seront guéries. Et cette réconciliation, elle viendra d'elle-même, sans appeler les caméras, sans appeler les trompettes, sans appeler vos journalistes griots pour venir vous chanter. Non. Ça viendra, cette réconciliation viendra d'elle-même. Et je vous demande en passant de penser à la libération, ne serait-ce que une seule personne, le président de la République, l'ancien président de la République ivoirienne. Il est l'âme de toute une nation, vous ne le savez pas. Il a été votre adversaire politique. Mais pour que vous puissiez gouverner ce pays, la Côte d'Ivoire, dans une tranquillité totale, vous avez besoin de M. Gbagbo. Et ça dépend de vous. La réconciliation ivoirienne dépend d'une seule personne aussi, de vous, M. le Président Ouattara. Si vous tendez votre main à M. Gbagbo, et s'il la tient, vous avez réussi là où plusieurs personnes ont échoué. Et je vous garantis, Gbagbo ne viendra jamais vous réclamer le pouvoir. Il vous dira, petit frère, je reste à côté, mais si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Nous allons tous faire avancer cette nation que nous tous nous aimons. Je vous remercie. Merci donc, mon cher Kenao, vous n'allez pas nous remercier. Le débat continue. Monsieur Atisso, oui. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'être sérieux avec nous-mêmes, les Ivoiriens ont été tués. Il y a des plaies qu'on doit penser. Il y a des gens qui sont en exil. Monsieur Soro Guillaume, en tant que président de l'Assemblée nationale, a toujours dit et il continue de dire que le président Laurent Gbagbo est la seule personne qui a mené tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est où? Il a été en catamité, trimballé où? À la haie. Il est là-bas en train de souffrir. Mais il a dit qu'il n'est pas en prison. Et il a été pour tous ceux qui veulent entendre qu'il est en otage. Il est en otage. Parce voilà. Que réellement, il voudrait faire de l'Afrique un Eldorado. Si M. Alassane Ouattara était dans le même bled, j'allais le dire. Un Ivoirien, c'est un Ivoirien. Si vous avez un frère authentique, un frère de même père, même mère, au lieu de le mettre en prison à côté de vous, vous allez l'amener encore très loin où vous ne pouvez même pas avoir la possibilité non seulement de le voir, mais de dire, ça fait 2 ans que j'étais emprisonné, je crois que tu as vu. Donc, on va parler le même langage. Monsieur Atisso, Soro Guillaume, qui est le président de l'Assemblée nationale, prend aujourd'hui la réconciliation. Qu'est-ce qu'il fait courir Soro Guillaume? Est-ce que ça veut dire que Soro Guillaume, en 2020, va courir derrière le pouvoir parce que Monsieur Alassane Dramane Ouattara, comme il a dit d'ailleurs, ne va plus se présenter? Si la Côte d'Ivoire est restée de telle façon, sans qu'il ait réconciliation, jusqu'en 2020, comment deviendra M. Soro Guillaume qui aujourd'hui veut faire la réconciliation? Monsieur Niawa, vous venez même de toucher le nœud du problème Guillaume Soro. Selon mes analyses, mes propres analyses, avec l'arrivée de Alassane Ouattara, qui est-ce qui a pu favoriser l'arrivée de Alassane Ouattara? C'est Guillaume Soro qui détenait la rébellion, qui était un commandant en chef de la rébellion. C'est lui qui détenait toute l'armée. Et Ouattara pouvoyait en armes. Maintenant, les hommes en uniforme qui sont à la tête sont contrôlés par Soyon Guillaume. Et la promesse de Ouattara à Soro Guillaume, c'est que après ces 2 mandats, il va préparer Soro Guillaume pour le remplacer. Donc vous êtes en train de nous dire que Monsieur Alassane Dramane Ouattara est en train de préparer Soro Guillaume? Non, attends. Sans toutefois rien dire
il laisse Odium aller jusqu'en monsieur, France. Est-ce qu'on attend de préparer un Macron? Monsieur Ouattara, laissez-moi terminer. Non, je ne suis pas Monsieur Ouattara. Oh. Monsieur Niawa, bien sûr. Monsieur Niawa, je ne suis pas Monsieur Ouattara. Journaliste Niawa, pas Monsieur Ouattara. Pardonnez-moi. C'est ce que j'ai toujours dit. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Voilà. L'accord secret entre Ouattara, le président, et le président de l'Assemblée, avant que Ouattara n'accède au pouvoir, c'est que après Ouattara, il allait favoriser Guillaume Soro comme sorte de fin. Mais à l'heure actuelle, Guillaume Soro, voyant que sa place promise est mise en jeu, si on voit les 5 premières années de Ouattara, qui était le premier ministre? C'est l'actuel vice-président. Après et la primature, il lui a offert un vice-président. Donc, Guillaume Soro voit que sa promesse en 2020, il ne croit plus à cette promesse. Donc il faut soulever. Comment faire? Il faut faire un soulèvement. C'est un soulèvement au sein même de la RHDA que vous appelez. RHDP, avec la coalition de Bédier. Donc, Bédier aussi, voyant, s'était vu cette promesse, voyant que, même lui, même Soro Guillaume, ne serait pas le défunt de Ouattara. C'est pourquoi Bédier même avait dit que Soro Guillaume est mon protégé et je le soutiens. Il sait que Guillaume Soro a encore aujourd'hui la main sur certains chefs de l'armée. Donc, c'est pourquoi je disais qu'il y a quelque chose encore qui se profile à l'horizon en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Bédier, là où il est, il a toujours la peur dans le ventre. Pire que ça, la Côte d'Ivoire risque de connaître encore une guerre civile. Oh. La Côte d'Ivoire risque encore de connaître une guerre civile. Donc, les Ivoiriens doivent faire très, 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 très attention. Parce que ce qu'on voit, on dit souvent que là où le fleuve commence, c'est seulement petit, mais le fleuve devient grand. Donc, ce qui se profile à l'horizon, que moi je vois maintenant, c'est un petit serpent qu'il faut tuer dès maintenant, avant qu'il ne grandisse. Mais quel est ce petit serpent qu'il faut tuer? Voilà. C'est ce que j'expliquais. Quel est ce petit serpent? Alassane Dramane Ouattara est le chef de l'État, le chef de l'armée, et Guillaume Soro est un ancien rebelle et qui a encore aujourd'hui la confiance des hommes forts de l'armée. Donc, et qui vous ne savez pas savoir qu'on a découvert une fosse d'armes. Moi je suis convaincu que ce n'est pas le seul et qu'il y en aura d'autres. Et attention, c'est pourquoi je dis que une guerre entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara serait encore fatal pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est pourquoi je précise et je mets en garde les Ivoiriens de faire très attention qu'il y a encore quelque chose qui se profile à l'horizon. Voilà. À bon ascendant. Salut. Merci beaucoup, voilà, je crois que Monsieur Kenao a la parole. On n'a plus assez de temps, mais Monsieur Kenao, vous avez la parole. Je quelque chose très rapidement. Vous savez, vous êtes des analystes politiques. Cette histoire de la Côte d'Ivoire, c'est un schéma. Cette histoire de la Côte d'Ivoire, c'est un schéma que nous avons connu dans beaucoup de pays africains. Quand vous voyez trois leaders accéder au pouvoir, celui, vous l'avez vu, le cas de la Côte d'Ivoire, le cas du Togo est là, le cas de Burkina Faso, le cas de Rwanda. Il y a beaucoup de cas. Du Libéria. Avec les Châtelot et Johnson. Il y a beaucoup de cas. Quand vous voyez trois personnes mener une révolution, la première personne à qui on remet le pouvoir, si elle fait clown, les deux autres vont l'éliminer. Et les deux qui vont rester là, celui qui fait clown, l'autre l'élimine. Et en fin de compte, il ne restera qu'un seul, voilà, au pouvoir. C'est exactement le scénario qui se passe en Côte d'Ivoire. Entre le président Ouattara
et Soro Guillaume, la guerre est ouverte. Si M. Ouattara fait le clown, Soro Guillaume l'enlève. Si Soro Guillaume fait le clown, Ouattara l'exécute. C'est ce qui s'est passé avec l'assassinat de Ibeka. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, Guillaume Soro Guillaume est en train de jouer à l'offensive. Il attaque avant qu'on ne l'attaque. Avec cette idée de forum ou de réconciliation ou de quoi que vous appelez ce que vous voulez, il veut dire aux Ivoiriens, je veux la paix. Nous sommes les mêmes. Alors quand M. Ouattara va se lever contre lui, les Ivoiriens diront, oh non, ce type, il a changé de veste, il s'est reconverti, il est devenu, non, il est devenu le nôtre. Il nous rejoint. Et Soro et l'ensemble des Ivoiriens seront contre qui? Contre M. Ouattara. N'oubliez pas que Soro est chef des rebelles. N'oubliez pas que ce sont les mêmes rebelles qu'on a enroulés dans l'armée ivoirienne. N'oubliez pas que ce sont les mêmes rebelles à qui on a promis des milliers et des milliers de millions de dollars, de francs CFA. N'oubliez pas que ces mêmes rebelles sont en quoi? En dépendance dans les camps de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce monde-là que M. le Président doit gérer. Alors que l'ensemble des rebelles enroulés dans l'armée ivoirienne ont un seul chef. Pas le Président de la République, mais Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro que les rebelles qui sont dans l'armée reconnaissent. Alors, entre Guillaume Soro et M. Ouattara, qui sera le gagnant, le vainqueur? Et je vous dis, si M. Ouattara ne démantèle pas son armée, ne sort pas tous les rebelles sur son armée, tout compte fait, il sera le perdant. Merci donc, mon cher Kenao. Merci aussi à Kwame Vi, à Tissot. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Je voulais quand même vous dire merci d'être nombreux à regarder le grand débat qui vous est apporté par votre animateur principal, Serge Nyawa, depuis le pays de l'oncle Sam, tous les samedis à la même heure. Je voulais quand même dire que le problème de réconciliation aujourd'hui en Côte d'Ivoire est un problème beaucoup important. Comme l'a dit les Ivoiriens, on ne doit pas se réconcilier sans toutefois non seulement libérer les prisonniers politiques, mais il faut penser toutes les plaies. Alors pour penser ces plaies, est-ce que réellement ceux qui sont à la base de cette réconciliation sont réellement mûrs? Est-ce qu'ils veulent que la Côte d'Ivoire se réconcilie? Et d'ailleurs même, je demande même, la réconciliation, où est le problème? Qui est en train de se battre contre qui pour qu'il y ait réconciliation? Qui se bat contre qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire que vous êtes en train de voir là, qui se bat contre qui pour qu'il y ait réconciliation? Mais effectivement, si celui-même qui est le président de la République ne prône pas le mot réconciliation, ça veut dire que s'il se lève maintenant, on ne voit même pas réconciliation. 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 Si M. Ouattara ne prononce pas ce mot, si M. Ouattara n'est pas derrière, il n'y aura pas de réconciliation. Vous voulez qu'il ait quelle réconciliation? Si M. Soro Guillaume se met de gauche à droite pour dire réconciliation, il est aujourd'hui, ça dit qu'il est, Soro Guillaume, il ne peut pas dormir dans sa maison. Il ne peut pas se réveiller sans toutefois dire, mais que deviendra la Côte d'Ivoire de demain? Mais oui. Sans la réconciliation, les Ivoiriens ne peuvent pas réellement se pardonner. Aujourd'hui, on voit Soro Guillaume, Ahmed Bakayoko, M. Alassane Dama Ouattara, M. Bédié. C'est ceux-là, c'est ce groupe-là qui, aujourd'hui, ont le pouvoir, qui gouverne la Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes là aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin
non seulement de se réconcilier, mais ne serait-ce d'être ensemble. On a attiré votre attention sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous êtes avertis, nous allons avoir un invité spécial et nous allons continuer de débattre sur le problème de la réconciliation. Si le sujet change, on va vous faire appel. Parce que il y a aussi un autre problème, un sujet d'actualité au Bénin où aujourd'hui, le talon, Patrice, le talon. Le talon d'Agile. Le talon est en train de s'enlever. On ne peut plus, les Béninois n'en croient plus à leurs yeux. Mes chers amis, si vous avez dit que c'est le peuple qui vous a élu, travaillez pour le peuple. Ne travaillez pas pour vous-même. N'allez pas chercher la clé dès les premières minutes. La clé est toujours cherchée. Vous allez faire quoi? Mais je veux vous dire, la semaine prochaine, on va vous apporter une autre émission spéciale sur Grand Débat. Un sujet brûlant. Merci donc à monsieur le technicien qui a assuré la réalisation de cette émission. Tant que vous oubliez aussi, vous qui avez appelé et vous, aujourd'hui, mes chers panélistes attitrés, qui me font toujours l'honneur d'être présents sur ce plateau pour qu'on puisse apporter notre plus à tous ceux qui nous regardent, le continent africain. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir. Voilà. Monsieur Bédier, on parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Que le RHDP. Quand il n'y a pas de paix. Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les cinq qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.